Vous avez des fuites urinaires. Vous avez une difficulté à retrouver un ventre plat. Et malgré tous les exercices de musculation, il n'y a rien qui y fait. Vous avez l'impression que cette partie de votre ventre est toujours détendue et relâchée. Muscler le périnée, c'est la base de tout. Et arrêtez de penser que c'est juste pour les femmes en post-natal ou périménopause ou en ménopause. Non, le sujet de muscler son périnée est valable pour tout le monde. Muscler son périnée, c'est essentiel pour son bien-être global. Muscler son périnée, c'est très important aussi pour sa posture, parce que tous les muscles posturaux, abdominaux profonds et muscles du dos sont partie intégrante de la connexion avec le plancher pelvien. Donc plancher pelvien, périnée, c'est la même chose, comme vous pouvez le voir sur le croquis juste à côté de moi. Le périnée est quand même complexe puisqu'il y a trois couches. Et ces muscles-là sont souvent difficiles à sentir. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice le plus simple et le plus basique de tout, la contraction maximale. Vous pouvez faire cet exercice en position assis ou couché. Parfois, on le sent mieux en position allongée, mais c'est aussi intéressant de le faire assis puis debout parce que justement, la gravité nous amène un petit peu plus de défis. Je vous conseille de travailler bien sûr votre périnée et de muscler votre périnée, mais si vous sentez des problématiques importantes, c'est essentiel de voir vraiment un spécialiste ou une spécialiste en rééducation périnéale. C'est vraiment essentiel d'avoir un périnée sain, c'est-à-dire à la fois souple, détendu, mais tonique, pour garder un dos en forme, des abdominaux et un ventre plat. Oui, ça fait partie de vraiment votre béaba. Si vous voulez avoir un ventre plat, c'est pas les 150 abdominaux en push vers le haut avec remontée du dos qui va vous aider. Au contraire, c'est avant et avant tout de travailler votre périnée. Vous êtes prêts? C'est très simple. Pensez que vous êtes en train de vouloir retenir l'urine quand vous faites pipi, hop, ou un gaz ou des gaz. On va aller chercher cette contraction qui nous permet de retenir l'urine ou les gaz. On va aller chercher la contraction maximum, donc le 100%. On va tenir cette contraction pendant 5 secondes, puis on va laisser 10 secondes de pause. On est prête? Donc, idéalement, c'est dans l'expiration, donc dans l'expiration, c'est l'expulsion de l'air, que l'on contracte plus facilement les muscles. Donc, on va aller prendre une bonne inspiration, puis dans l'expiration, en expulsant l'air, on va aller contracter, donc on va faire un retien pipi maximal, mal, en allant vraiment chercher au niveau du vagin, hein, à rentrer le vagin. Mais attention de ne pas serrer les fesses, parce que c'est souvent ça qu'on a tendance à faire. On ne veut pas contracter l'anus, on veut vraiment au niveau du vagin. Et attention aussi de ne pas contracter l'intérieur de vos cuisses. Donc ça se passe vraiment en interne. Ok? Allez, on est parti ensemble. On inspire. On contracte au maximum notre retien pipi. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez en douceur. On va prendre 10 secondes de pause. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend, on inspire, expire et contracte, maximum de contraction. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, on prend notre pause de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On le refait encore 3 fois comme ça, ce serait idéal. Let's go, on inspire. Contraction maximale et 1, 2, 3, 4, 5. On relâche tranquillement pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et contraction maximale pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Inspire et expire, contraction maximale. Et 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça nous fait, on va dire, un set, un tour. Donc, 5 secondes de contraction, 10 secondes de repos, on reprend pour 5 fois. Ça, c'est un set. Et idéalement, vous refaites ce set 3 fois. Entre chaque set, vous prenez une petite minute de repos. C'est important, comme je disais, d'être suivi par une ou un spécialiste de la rééducation périnéale, aussi parce qu'il va ou elle va vous donner vraiment la bonne connexion au niveau du plancher pelvien. Comme je vous disais au début, il arrive souvent qu'on a tendance à contracter les fesses, qu'on a tendance à contracter les cuisses, qu'on serre tout autre chose dans le corps sauf le plancher pelvien. Donc un spécialiste va vraiment vous aider à vous connecter. Mais au début, pour la première fois, vous pouvez aussi faire cet exercice avec placer un doigt dans votre vagin. Puis si vous, dans la contraction, vous sentez que vous aspirez, hein, parce que notre plancher pelvien ici, en mettant notre doigt ici, on va sentir l'aspiration un petit peu vers le haut. Hein, c'est une remontée, donc on va sentir une petite contraction qui va nous remonter. C'est que vous êtes dans la bonne action. Si vous sentez au contraire que dans votre doigt, enfin sur votre doigt, parce que vous allez sentir plutôt un relâchement, une descente, une inaction, on va dire, plutôt vers le bas, alors ce que vous ne contractez pas votre plancher pelvien. Mais je vous conseille de le pratiquer, cet exercice, régulièrement. Si vous avez des questions, des commentaires, de les laisser sous cette vidéo, ou si vous êtes sur notre groupe Facebook privé, de parler, de vous exprimer vos doutes, vos questions, c'est important, on est là pour vous. À bientôt !